and all these bitches is bad. Watch them lick on each other. I'm talking pussy to ass. Dope boy still at large. Tracking device on the car. Tattoos on the arm. Double M diamond charm. Chanel bag on the hip. Hermes bracelet and things. Let her fuck Meek Mill. Told her keep chasing the dream. Mon univers, c'est un univers avant tout à la jonction entre, j'irais, le réalisme, l'art déco, le kitsch aussi, et le côté flashy qui est important. Donc, une impression superficielle de brillance, je dirais. Les premiers artistes qui m'ont inspiré, c'est Memling, Velasquez, les frères Van Eyck, des références très très anciennes. Mais il y a deux tableaux qui m'ont beaucoup influencé, on va dire. C'est Les Ambassadeurs d'Holbein, je crois que la date c'était en 1533, et il y a aussi Maria Magdalena, je connais plus le nom de l'artiste, mais ces tableaux-là, quand je les ai vus, ça a été le déclic en fait. Et sinon, un artiste que j'apprécie beaucoup, moi, c'est Kadir Nelson. C'est un artiste qui est très peu médiatisé et qui pourtant fait des œuvres, des illustrations pour le New Yorker. Il a fait le plus beau tableau jamais peint pour Michael Jackson. Donc des influences de toute façon afro-américaines, puisque de manière générale, moi, mes influences cinématographiques et artistiques sont plutôt afro-américaines. Pas seulement, mais beaucoup. Donc des artistes comme Terry Rogers, comme Chuck Close, Steve Caldwell, qui est un artiste anglais, qui a gagné pas mal de prix. Pas encore très très connu, mais très bon. Pour Rick Ross, c'était très compliqué. Ça s'est fait en France, d'ailleurs, à Paris. C'était très compliqué parce que entre l'organisation, etc. En plus, je débutais parce que c'était ma deuxième rencontre. Et bon, finalement, ça s'est fait. Et je suis rentré chez moi et 2-3 jours après, bah, j'ai découvert son nouveau clip vidéo et j'ai vu mon tableau dedans. Ricky Rose, Rihanna, Remix, Rich Forever, Straight Cake, MMG, come on. No top on the Ferrari, cherry on top, dope boy diamonds, matching Reeboks, paint on the wall cost me 2.8. Maintenant, Booba, c'est, on va dire, c'est une première étape, parce qu'on compte, aller plus loin que ça. Avec Ryan Lizzy, c'était une super rencontre. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça, parce que c'était un tableau qui est un petit peu différent des autres. Il est un peu plus sobre, un peu plus classe, et ça correspond plus aux commandes qu'on a généralement. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours ce truc un peu flashy dont je parlais au début. Les gens parfois veulent des trucs très très sobres. Là, je parle en termes de commandes privées, donc plus en termes de célébrité. Et ça, pour nous, c'était une rencontre super, ouais, super positive. Je voulais que mes tableaux ne soient pas des œuvres qui sont juste exposées dans des musées, par exemple. D'abord, ils voyagent beaucoup. Et puis, ils sont amenés à être dans pas mal d'environnements, des discothèques, des salles d'exposition, des coulisses. Donc, je voulais quelque chose de transportable, de résistant, et qu'on puisse entretenir facilement. Et je pense avoir trouvé le bon compromis. Donc, moi, je ne travaille pas sur toile, parce que la toile, ça s'abîme très très vite. On donne un coup et c'est fini. Donc, je travaille sur plaque, à l'acrylique. Dans 2-3 mois, parce que là je vais passer un petit peu plus de temps sur quelque chose, on va voir tout à fait autre chose de rare. Là je pense qu'on verra ce que je veux vraiment artistiquement, parce que j'ai toujours la sensation, c'est tout à fait personnel, d'être en deçà de ce que je peux vraiment apporter. Et là, dans 2-3 mois, je peux vous dire aussi que c'est un artiste que j'ai déjà peint. Donc voilà, après qui mystère. On travaille en collaboration avec SOS Village d'Enfants.
Et sur chaque tableau qui est vendu, il y a un pourcentage qui est reversé à l'association. Et pour nous, c'est important. Well, I was speechless. Like when I received it on stage, I was just like, what? It's so detailed in the expressions and the wrinkles in the face and the clothes and the hands. It's just like everything was so precise with it. And one thing that was special to me about that is I asked him how long it took and he said it took him 3 weeks. And I was like, wow, that took a while. And then he said, you know, you're worth it. Like you're a great artist and you deserve that. And that was just a touching moment for me right there. Like, I spend up all this money. All this money. Fast, oh, fast, oh, fast, girl, you're doing something to me.